Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Aujourd'hui, on a dit qu'on allait explorer. J'ai découvert un nouveau lieu de Hamar. Quelqu'un s'est bien amusé ici. Thank you.
énorme qui aurait besoin d'une agence, c'est grave. Les calmars, c'est là. Thank you.
Elle est gigantesque, pourquoi est-elle aussi vide? Il y a des champignons. Qu'on voit là-bas, c'est comme ceux des mouettes de mon île. Oh, je vois que tu es une grande voyageuse comme moi à l'époque. Parfois, j'aime bien simplement quitter pour aller se visiter quelques-unes des petites îles. Et ça me fait peur. Rien que pour nous. Mais, j'aime rester ici. Silence. Évidemment. Je te parlerai sur l'île plus tard, petit.
occupé. Thank you.
Thank you.
Peu que Yaya venait souvent sur cette île, à la recherche de métal puisqu'il y en a presque sous. Pas sous la nôtre. Désolé, Petit, je suis absolument très occupé à faire des trucs.
Thank you.
Oh. Là, c'est le mot de faire là. Les appâts que je trouvais pas. Bon, on va aller pêcher un poisson.
Hein? Qu'est-ce que ce poisson-là? Je me charge du poisson, tu arrives. Puis attends. Mayo, as-tu le poisson que je t'ai demandé? Oui, il est voilà. Je reviens tout juste du marché au poisson. Merci beaucoup, Mayo. Une grande aide. C'est normal, patron. Hey, salut, petite. La vie est injuste. D'accord, alors sache que le cache-œil n'était pas celui d'un pirate. C'est celui d'un parent d'Anzo qui était paresseux. Quoi? Tu m'as menti? Toi aussi, tu m'as menti. On est quitte maintenant. Ah, le chocolat. Dans la pêche, je te donne un sac de croissants. Pourquoi il y a des défauts? Pas du tout, c'est un bon sac à dos. Où est-ce que tu l'as eu? Il est à moi, il a toujours été dans ma famille. Sans doute, c'est-tu vraiment? T'en es sûr? Évidemment. Alors merci. Voilà, acheter de la farine. Un riz, deux farines. Peut-être mon enfant, il n'y a pas de temps à perdre. Quoi, ce sac à dos croissant? C'est Mayo qui me l'a donné. C'était mon sac à dos, vraiment? Oh non, tiens, prends-le. Tu n'es pas obligé, garde-le. Non, j'en ai pas d'autre. Je vais te fabriquer un nouveau sac à dos, ne te dérange pas. Vraiment. J'avais du chocolat, est-ce qu'il y a été? À moins que c'était la recette pour faire du chocolat, j'ai... Ok, il faut des graines de cacao pour faire le chocolat, là, je comprends.
Non, j'en ai 5. On va aller voir c'est quoi la peau qu'on a besoin.
comme ça à gauche. Voilà les lingots d'argent. Ah, parfait. Je vais pouvoir produire une grande impression de produire de grandes impressions de Mara. Elle pourrait représenter l'ouverture du chantier naval de Caleb ou la fois où je me suis battu contre un phoque. Encore la fois où nous nous sommes retrouvés face à une vague géante de 200 mètres. Est-ce que ce sont des épisodes de votre vie? Évidemment, ce sont des grands événements de l'histoire de Mara. Bien, voilà ton équipement de pêche. Merci beaucoup. Merci quoi. Comme ça, je pourrais garder les rythmes des livraisons. Eh bien, Abraham, désolé que Mayu ait fait une chose pareille. Si elle te cause encore d'autres problèmes, dis-le moi. Bien, quand tu voudras goûter à mes plats. Oh, aimerais-tu devenir pirate? Je crois pas. C'est parce que tu n'en as pas le courage. C'est plutôt que ça m'intéresse pas. Je suis sûr que t'es pas capable d'aller sur l'île mystérieuse et de toucher l'arbre qui est au sommet. Quoi faire? Gagner mon respect. Rien d'autre? Eh bien, je pourrais te donner deux fajitas et un bisou de chat. D'accord, mais pas de bisous.
Je suis en train de créer une ligne de souvenirs, les produits de Mara. Il y aura des petits coquillages, des poupées pirates, des miniatures de bateaux, un peu de tout, pour plaire aux touristes. Oh, je veux une poupée pirate. Je n'en ai plus. Une miniature de bateau. Alors, c'est Caleb qui dit tout. Bon, ben, il va couler le coquillage alors, d'accord. Tu peux aller ramasser sur la plage derrière le phare. Si tu en rapportes, je te ferai un cadeau en retour. Avec, je voulais profiter de mon aide. Mais non, c'est un travail d'équipe. Quand nous parcourions le monde, c'était toujours Caleb qui portait nos affaires. Et j'ai négocié. Nous étions uniques. Nous étions les grands marchands de Kélis. On pouvait tout vendre. D'accord, j'ai compris. Et je vais aller chercher les coquillages. Non, je les ai pas vendus.
Hey, petit moussaillant, c'est à moi que vous parlez. Tu es le propriétaire de ce sublime navire? Oui, c'est mon bateau. Je m'appelle Lilithio, je suis le seigneur de la mer et le maître de le seigneur des marins. Enchanté. Je m'appelle Koa, joyeuse maîtresse du Nil avec des mouettes. Oh, tu as un super bateau, il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es rapide? Pas vraiment, mais il me convient bien. Quel dommage, tu aurais pu participer aux courses de pirates. Elle propose de belles récompenses. Ouais, ça a l'air cool. Dès que j'aurai tout ce qu'il faut, comment est-ce que je vous trouve? Mara m'appartient, mon seigneur. C'est moi qui trouverai. Bon, je vais en acheter un autre. J'ai ramassé les coquillages. Maintenant, il ne reste plus qu'à leur coller un prix pour les touristes. Comme ça, ces sublimes coquillages antiques ne seront jamais oubliés. Mais je viens de les trouver à la plage. Ce sont des coquillages antiques que Bernard Lamitte a neuf pattes. Je trouve qu'on dirait des coquillages ordinaires.
Bernard Lamitte à 9 pattes étaient des créatures sublimes. Leurs pattes supplémentaires leur permettaient de trouver des métaux précieux au fond de l'océan. Malheureusement, ils sont disparus il y a bien longtemps. Les Kiddo s'en servent autrefois pour les mines d'or, jusqu'à ce que leur espèce s'éteigne. Oh là là, c'est triste. Pauvre Bernard Lamitte, tiens, prends un coquillage de Bernard Lamitte à 9 pattes. Comme ça, tu les oublieras jamais. Merci. Et prends ce sac à dos en guise de cadeau. C'est un offre spécial de la boutique. Mon jour de chance. Peut être une petite tâche de confier. Sammy a besoin d'un produit. Elle m'a passé un coup de fil. Apporte-le le plus possible au phare. D'accord, je me dépêche. Bon. C'était tout pour aujourd'hui pour le jeu Summer in Mara live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!